Et salut les FDP. Désolé pour le retard. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour la saison 2. Salut FDP. De PRO. Donc ben voilà, désolé pour l'attente encore une fois. Normalement ça devrait être bon. Il faut dire les défis. C'est vrai, bah on va sur le chemin, vas-y on y va à pied, tranquille. Car ça va nous rejoindre de toute façon. Il faut savoir que pour la saison 2 on a prévu plusieurs petites idées. Enfin plusieurs, il n'y en a pas tant que ça. Donc premièrement c'est déjà de faire tout le jeu. Genre sans utiliser de potions ni de rappel. Donc pas de trucs qui soignent les PP, pas de trucs qui soignent les PV, pas de trucs qui soignent les statuts, paralysie, sommeil, etc. Pas de rappel. On peut utiliser repousse, enfin tous les objets on peut, mais pas les objets de type qui soignent quoi. Donc déjà ça c'est le premier point. Robin on t'entend pas bien, ça peut s'arranger. Essaye déjà. Mal, tu veux quoi? Il fait le mariole là, mais ignore-le, il est pas là, c'est pas grave. Quoi là, j'ai un paras. Donc comme on a dit, on va faire de notre mieux pour utiliser zéro potion. Les items sur les Pokémon on tolère pour l'instant, mais genre vraiment pas de heal. Le seul heal toléré c'est le sort Pokémon et tous les trucs tierces comme ça. Ensuite, on va se limiter, comment dire. Là tout de suite, dès qu'on arrivera à Johto, devant le starter, on va faire un tirage au sort qui va nous empêcher d'utiliser un type parmi tous les types qui existent dans le jeu. Tu veux pas le faire maintenant? On peut le faire maintenant, on peut le faire après. Ça, c'est fait. On va peut-être le faire maintenant, pourquoi pas. Donc là du coup, par exemple, imaginons on tire au sort le type électrique, ben genre moi je pourrais pas utiliser le type électrique, Robin tire au sort le type plante, il pourra pas utiliser de type plante pendant tout le jeu, etc. Par etc. exemple, Lucas tire au sort le type feu, il pourrait pas prendre de type feu. Par exemple, hein, Lucas. Oui, sur les 17 types, le type feu. Ouais, ce serait quand même un peu dommage, hein. Que je boot. On te demande pourquoi le type feu, hein. Ouais, bizarre. Genre bof le type feu, tu vois, il est pas ouf et tout, et non. Et le dernier, est-ce que on leur dit le dernier challenge qu'on veut faire ou on le laisse la surprise? Oh, on leur laissera la surprise. Ok, donc il y a un challenge mystère. Au moment venu, on vous en parlera. Vous inquiétez pas, ça arrivera vite. Ça arrivera assez vite. Oh yo Zexion. Voilà. Salut Zexion. Oh yo Zexion. Ouais, tu dis le chat. On a pas pris celui-là. Non non, on fait pas celui-là. Déjà, déjà que le jeu est dur, on se met des défis. Si en plus on commence à faire un Nuzlocke, on fera après qu'on aura fini tout PRO. Oh bah y a qu'est-ce qui débarque d'en haut. Gros, moi, tu m'as dit d'aller à la route victoire. Ouais. Dès que quand on aura fini tout PRO, on se refera sur un autre serveur un Nuzlocke, pourquoi pas. Mais là c'est l'aventure, tu vois, c'est pas un Nuzlocke, c'est aventure. Ou alors tu tiens le type feu et tu fais un type feu vu qu'on est parti dans les défis super. Non, sur le coup on a vraiment prévu ça. Voilà. On a déjà prévu nos défis, tu vois. Donc pour l'instant ce sera ça. Peut-être pour les autres régions, ayez des idées, on verra ce qu'on prend. Pour l'instant sur les autres régions c'est déjà ça. Ouais. C'est on n'a pas droit à un type. Voilà. Mais c'est vrai que c'était pas bête du coup, parce que si j'aurais tiré le type feu, bah j'aurais pu avoir Hérissante. Mais du coup, si j'avais tiré un autre type, j'aurais pas eu Hérissante. Donc c'est la merde. C'est chaud quand même. Ouais, c'est vrai que c'est chaud, mais ça peut être intéressant pour une autre région. Bon. Pas beaucoup de feu, hein, déjà. Ouais. Bon, alors, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vers notre changement de tenue. Comme dans l'animé, voilà, Sacha change de tenue. Nous aussi, il est temps de changer. Bah moi, j'ai déjà ma nouvelle tenue, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Non, me dis pas que c'est pas vraiment ça, Robin. Non, c'est pas vraiment ça, ta tenue, tu as gardé tout le jeu. Robin, non. Non. Mais non, mais mec. Mais pourquoi? C'est quoi le problème? Mais mec, j'ai pas mis la citrouille, moi, je... J'ai pas fait ça. Pourquoi toi, tu fais ça? Bonhomme de neige. Mais pourquoi? Arrête de manger ma carotte. D'accord, attends, désolé. Non, mais t'es vraiment un connard, putain. Genre, mais genre, mais je veux pas le regarder. Tu te fous de ma gueule! Il a un regard perçant. Il a un regard perçant. Mais regarde du tout, il a une carotte sur le nez! Non, mon nez est une carotte, c'est quoi le problème? Entre Kanto et Johto, je change pas Tarlouse, mais je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux. Bon, le temps, on va faire le tirage au sort pour les types, comme ça, ce sera déjà bien. Bon, alors, Robin, on commence par. Je vais pas commencer par moi, donc on va commencer par Cass. Ok. Donc, voilà, un nombre entre 1 et 17. Je vais me casser la gueule! Alors, Cass, on va te dire le type que t'auras pas le droit d'utiliser pendant tout. Vas-y. J'aime pas là. Bah oui, non, mais on va te le dire là. Ah. Alors, numéro combien? C'est le 3. Tu pourras pas utiliser de type O, Cass. Oh, ça va. Ça va, ouais. Ok. Mais je crois qu'on faisait que les 3 types principaux. Ouais. Hein? T'imagines? Quand on faisait juste que les 3 avant, types principaux, je sais pas quand on faisait tous les types. Tous les types, tous les types. Mais ça t'arrange bien. Bah non. Ça, t'as mis ça, si j'ai le type peu, je peux pas prendre le starter que je veux. Non, mais même, t'as plus de problèmes. Ouais, mais je peux. J'ai une chance sur 17 de me faire baiser quand même. Bah ouais, mais c'est mieux que 1 sur 3. C'est vrai. Et bon. C'est ça, ça t'arrange. Alors, Robin, toi ou moi en deuxième? Toi. Vas-y, moi. Vas-y, ok. Non, vas-y, go tirer ton au sort. Alors, c'est le 9. Tu peux pas utiliser de type normal. Franchement, ça va.
Ça et du coup, s'il y en a un qui est genre normal vol, il a le droit. Ouais, non, tu peux pas. S'il a un type normal, tu peux pas. Tout simplement. Bon, bah, du coup, à moi. Non, mais mec, j'ai trop peur. Vas-y. Mange ça, le multipris, s'il te plaît. 10. Ah, oh, j'ai pas le droit au type plante. T'as eu chaud, mec. Oh, j'ai fou. Le type feu, c'était numéro 6. Ah, oh, ça. J'ai entendu 10. J'étais en mode non, pas 6. Ok, donc. Cas, t'as pas le droit au type eau. Robin, pas le droit au type plante. Au type normal, et j'ai pas le droit au type plante. Ça aurait pu être pire. Franchement, au niveau cassage de gueule, donc pas Evoli. Donc, Robin, t'as pas le droit à un Evoli du coup. Donc, c'est-à-dire que tu peux même pas prendre un Evoli et le faire évoluer. Sauf si tu le captures en évolué. Si tu en chopant déjà évolué. Voilà, c'est ça. Exactement. Tu trouves un aquali dans la mer. C'est pas le truc le plus courant. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, Cass ? Tu trouves un aquali dans la mer. Ouais, si tu trouves un aquali dans la mer, ça peut passer. Oui, bah oui, c'est sûr que ça se trouve. Bon, ça va, j'ai, le type plante, c'est de la merde, donc ça va encore. Oh ! Bon. Le type plante, c'est de la merde. Bon, ça dépend. Attends, il manque Cass du coup. Les germignons. Non, c'est rien contre les germignons. Ben, du coup, go déjà un peu. Mais Grenin, regarde-moi comme une. Tiens, là. Attends, on attend Cass. Ouais, on attend Cass. Du coup, on va parler un petit peu avec vous, histoire là, de faire patienter. T'as été interdit de prendre le type plante alors que c'est le plus nul, entre guillemets. Bah ouais, voilà, c'est un type assez faible, donc ça va, franchement, j'ai un fait à faire. Recommence le tirage. Le tirage pas assez extrême. Comment ça, pas assez extrême? Tu peux prendre. Peut-être qu'à un moment dans l'aventure, on recommencera un tirage. Pour avoir deux. T'imagines? De quoi? Bah, on le refait le tirage. Il y a que pour moi que c'est extrême, non, en fait. On tire un deuxième Pokémon. Un deuxième Pokémon? Un deuxième type. Pour tout le monde. Oh, go tirer un type pour tout le monde. Eh non, mais moi je suis grave désavantagé. Hein? Je suis grave désavantagé. Pourquoi? Bah, moi mon type que je peux pas prendre, c'est de l'eau. Donc, du coup, je peux même pas vaincre le type feu. Je peux même pas. Bah, y a d'autres types. Y a le type. Y a d'autres types, Kaz. Mais oui, mais même, c'est un principal quoi. Donc, toi, tu t'en fous de ne pas avoir. Bah, oui, mais t'as eu. C'est de la random. Mais tu veux pas mettre un type feu pour nous tous? C'était pas extrême et tout, mais pour moi, c'est plutôt extrême. Mais vous, pourquoi c'est extrême? Bah, parce qu'il y a beaucoup de types eau, mais après, t'as des Pokémon qui ont des attaques eau. Ouais, je dirais deux types. Ils sont quand même plus chauds pour faire un deuxième type. Hein. Ok. Ah. Bon bah Robin, vas-y. Je rigole. Non mais genre, on prend un type là, et ce type là, et ce sera, on n'aura pas le droit pour tous les trois, tu vois. Donc en gros, on n'a pas le droit à deux types, tu vois. Ok. Le 12. On n'a pas le droit au type psy. Oh non, ça va. Vache. C'est déjà un peu plus corsé là, le fictionnel pour ce type psy. Pas psy normal, toi pas ou psy, et moi pas plante psy. Et pourquoi, comme par hasard, le deuxième type interdit, il est sur les 3 parce que t'as peur de tomber sur le fond? Mais non, mais j'ai, c'est même pas ça. Genre, Robin, il fait un tirage entre 1 et 17, et du coup, en fonction du nombre, je dis ce qu'il y a écrit ici. Mais oui, mais c'est du coup, tu l'appliques sur tout le monde, alors que t'as trop peur de l'utiliser. Non, mais c'est ce que le chat a dit, c'est le meilleur idée. Bon, c'est toi, tu te dis c'est n'importe quoi. Extrême. Toujours en train de se plaindre, les femmes, voilà. C'est pas moi, c'est ce que Grena, il l'a dit. Mais pourquoi tu me cries? C'est même pas moi. J'ai lu ce qui est écrit dans le chat. J'ai rien fait, OMG. Bon, bah, go, hein. Appelle le starter flamme, s'il te plaît, Lucas. Quoi? On monte dans une nouvelle région. Non, là on est sur le chemin. Vas-y go, moi je le fais à pied. La transition, je veux vraiment que ce soit le dernier instant. Tu vas voir mec, tu vas kiffer. Je crois que je suis bientôt arrivé, du coup je vous attends. Je suis au dernier dresseur, il s'appelle Elion. Ah la vision. Je sais pas, il m'a aggro. Avec un cadavre. J'aurai après. Ok, Obito, tu re après, à tout à l'heure. Y'a Rhinophéros qui a pris ça. Mais Rhinophéros, il la prend pas sœur. Il peut pas prendre sœur, Rhinophéros. Non, il a dit. Ah ouais, non, j'ai rien dit. C'est de la merde. Je suis à peine à quoi. Il fait quoi là avec son cadavre à niveau 3? Je suis à peine à la quoi. T'inquiète, on t'attend. T'as dit quoi, Robin? Il fait quoi avec son cadavre à niveau 3? Mais je sais pas, il nous aggro avec des vieux Pokémon là. Ah là là. Bon bah go. Je te rappelle que j'ai fait 6 arènes avec un Pikachu. À Johto. Non mais Robert, tu vas pas vraiment quitter la région avec ton putain de... Prends au moins ton starter. Pas par race. Bon d'accord. Quand même. Oh là là, ça va être le début d'une grande aventure. Go, attends. Il est beau mon Raichu. Pourquoi t'as mis... Pourquoi t'as vraiment pris ça? Mais t'as pas payé quand même pour ça. Bah si. Comment ça j'ai pas payé pour ça? Mais mec, t'as même mis l'air de tout stylé. Et toi, tu t'es dit, go claquer ma thune pour acheter un chapeau bonhomme de neige. Oui. Je pense que j'aurais fait peut-être pareil. Quel est le premier Pokémon à avoir été inventé pour les cultes? Non. Bah, c'est Rhinophéros.
Tu nous prends pour qui ici, what the fuck? T'en es où, Cass? Non, c'est Rhinocorn. C'est Rhinocorn ou Rhinophéros? Rhinocorn, je crois. Non, c'est Rhinophéros, hein. T'es sûr? Ouais. C'est Rhinophéros. Fais gaffe, hein, j'ai le livre, je vais voir. C'est Rhinophéros, même une apocalypse a validé, mec. T'es sûr? Ouais. Non, j'en suis sûr. C'est pas mon frère qui l'a pris? Je sais pas, go le taper, tu lui demandes. Je pense que je vais le frapper. Ouais. Maintenant, là? Non. Après. Soon. Donc ouais, il a dit quoi? C'est con ou quoi, Robin? Un Kai Rhinophéros apprend surf, sérieux? Non, mais après, il y a plein de Pokémon qui peuvent apprendre surf. Non, on le croit pas, hein. Non, bah attends, je vais aller checker. Est-ce que déjà que... Non. Dit que, ouais, non, Flambusard qui vole sur l'eau. Des Pokémon comme Flambusard qui vole sur l'eau, ouais. Par contre, Tauros peut apprendre surf. J'ai essayé, enfoiré. Mais Tauros peut vraiment apprendre surf, en vrai. Tu le savais, ça? Tauros? Tauros. Non, je savais pas. Il peut vraiment surf. Un fight avant de Gojoto, le vainqueur en premier. Non, mais si on fait un fight, on va être ramené au centre Pokémon. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait de fight final. Bon, Robin, on fait un fight final. J'ai pas mes 6 Pokémon et il y en a un qui est mort. Bah, comment on fait? Cas, on fait un fight final? Non. Bon, ils veulent pas faire de fight final. Alors, attends, est-ce qu'il apprend vraiment en surf? Gros, il apprend vraiment surf? Qui ça? Rhinophéros? Ouais. Pour une fois qu'il ment pas, ce con. C'est vrai. Bon, vous êtes prêts à franchir le cap? Non. Tu veux pas partir de Kanto? Bah, je suis contraignant là. T'es contre quoi? Et Lyon. Ah, et Lyon. J'ai entendu contraignant. J'ai peur. Robin, il va nous avoir. On va avoir de nouvelles aventures là. Mais c'est quoi que du coup on va abandonner nos Pokémon? C'est genre maintenant? Quoi? Je sais pas. En tout cas. T'imagines? Mais t'imagines, on passe la truc, on a plus. Et puis pouf! Il y en a plus. J'ai peur. Go faire un au revoir maintenant à nos Pokémon, en vrai. Alors, putain. Alors au revoir, mon petit Arcanin, que j'ai trouvé dans le bois perdu, en Caninos, abandonné. Adieu, putain, Ectoplasma, que j'ai trouvé, comme ça. Quelque part, sûrement. Adieu, Léviator, que j'ai pêché en étant un petit Magikarp et qui a solo un Carapuce. Que j'ai trouvé dans la forêt de Jade, innocent et nul, comme un... Tel un petit chenipan qui évolue en Crisacier et que j'ai fait la ligue finalement avec toi. Personne ne pensait. Personne ne te croyait en lui. Au revoir, Mentali. Petit évolu trouvé dans le truc de la Team Rocket qui était destiné à devenir du hachis parmentier. Au revoir, jeune Clefable que j'ai récupéré juste pour battre la ligue et qui m'a extrêmement servi. Au revoir, Dracolos. Petit mini Draco que j'ai trouvé dans le parc Safari où j'ai dû payer un putain de membership pour te trouver, que j'ai passé genre une heure de ma vie à le faire. Mais on a passé des bons moments ensemble. Au revoir, Paras. Au revoir, Paras. Au revoir, Scarino, que j'ai trouvé random dans un arbre avant la ligue et du coup je l'ai level up. T'en as encore un? Au revoir, Raichu, mon Pokémon starter. Au revoir, Florisa. Et qui dépasse absolument tous les autres Pokémon, parce qu'il apprend surf alors que c'est un Pikachu. C'est vrai. Et moi, au revoir à mon Florizard. Petit Bulbizarre qui a été là du début jusqu'à la fin. Mon starter forever ever in my heart. Bulbizarre le best. T'auras toujours une grosse place dans mon cœur. Vous êtes prêts? Cass, tu fais tes adieux à tes Pokémon? Cass? Non, elle veut pas. Bon, bah d'accord. Bon, allons-y! C'est parti. Youhou. Bon, on a... Ouais, ils sont encore là. Bon, on va refaire au revoir après. Moi, mon Florizard, c'est ouais, ma... Mec, mon Florizard, c'est mon fils, ma bataille. Hein. Genre, il va partir, je vais vraiment être mal. Il y a Mario aussi. Il y a vraiment Mario? Bah oui, il est là. Tu l'as pas croisé? Attends, j'arrive. Où ça? Bah, je suis en train de... Là, je suis à Grenade. Ah ouais, il y a Mario. Ouais. Quand est-ce que je t'ai dépassé? Je sais pas. Ah, mais tu l'affrontes? Ouais. Non, moi, je l'ai pas affronté, Luigi. Il m'a rien dit. Moi, j'ai affronté Luigi et Mario, hein. Il y a un Caïminus. Quoi ça? Où ça? Sauvage? Viens là. Sauvage? Viens là. Mais attends, je peux pas là, je suis en train de me battre. Prenez pas les mêmes starters. Non, on prend pas les mêmes starters. Préparez-vous avant le chez. Tu m'affrontes. Je t'ai battu. Pourquoi il y a un Caïminus? Chope-le. Je suis en train là, je cours dessus. Toto deal. C'est tout? Il a disparu? Non, ouais, non. Bah, ah non, ça y est. Mais il y avait un truc doré ici, il y a plus rien maintenant. Bon, est-ce qu'on peut trouver des Caïminus ici? Non. Bon. Cass, t'es où? Il y a même pas un Pokémon violet. T'es un Mario? Ok. Doucement. Plus on s'approche de Johto,
plus on s'approche du départ de nos Pokémon favoris et qui ont fait la Ligue Pokémon avec nous et qui ont vécu d'incroyables aventures avec les FDP. Vous aussi, là, vous devrez chialer dans le chat, c'est vos Pokémon, ils ont été là avec vous depuis le début. Casse, là. Pleure, qui pleure. T'es contre Mario. Zexion, toi aussi, pleure. Pleure, Zexion, pleure. Toi aussi, petit Calminus de merde, là. Florizarre, mange-le. Toi, pleure, putain, pleure. Vas-y, bouffe-le, Léviator. Parras, mange-le. Parras. Ratatak, c'est pas que genre t'es en train de gâcher nos au revoir, mais un petit peu quand même, quoi. Lucas, on est bloqué. C'est pas grave, on peut surfer. Go surf. Non mais attends, c'est... Mec, il y a une maison là. Non. Y a une maison. Un tirage pour toi, j'ai choisi le chiffre 4. T'as pas le droit au type électrique, Grenal. Bon, ça va. Ah, c'est pas Johto. Ouf. Attends, go dans la grotte ou dans la maison? D'abord dans la maison et après dans la grotte. Ah, bah, de toute on peut pas aller autre part. Bonjour, madame. Putain, y a un buisson histoire que tu fasses tout le tour. Hello. Tes Pokémon ont l'air fatigués. Laisse-moi les heal. Ouais, elle m'a heal mon Paras, c'est cool. Ouais, moi, elle a heal mon Florizarre. Casse par là, la mamie. Ah, mais du coup, on se tape une putain de grotte. Oh ouais, elle m'a dit, it's a beautiful day to be outside. Genre comme Sanes. Ces Pokémon, ils vont disparaître en plein milieu d'un combat. J'ai pas le droit aux Pokémon au type électrique. Et au type électrique. Au type électrique. Ça, le truc, c'est que t'as pas le droit au type. Les attaques, t'as le droit, mais pas le Pokémon. Tu peux avoir un Mentali qui a un quart d'heure, qui a tonnerre, tu t'emballais quoi. Mais bon, on va commencer une nouvelle aventure et ça m'excite aussi. Je suis impatient. Ouais, ça t'excite. Ouais, vraiment. Cass, je suis excité. Rigole pas. Est-ce que t'es excité aussi, Cass? Elle est excitée. Qu'est-ce qu'il fait ce Magikarp parce que c'est ridicule. Ah ouais, trop bien. Bah, il nage. Bon, go éviter les dresseurs. Et... Non, mais je crois que là, on est vraiment arrivé par contre. Non, putain, y'a le warning, c'est-à-dire que c'est le moment. Attends. Hein? C'est le dernier badge. Non, vas-y, le dernier dresseur. Charles, tu seras mon dernier adversaire. Charles! Bon, attends, t'as coup, je lui ai envoyé Thunderbolt, il va comprendre. Ça, c'est fait. Charles! Putain, le dernier Pokémon que je vais affronter avec ma team, c'est un Tentacruel niveau 40. J'ai eu des meilleurs souvenirs. That a smaller boring, ça veut rien dire, that a smaller boring. Y'a un Abra. Ah ouais? J'ai gagné full XP, je crois. Avec tous ces souvenirs, tu m'étonnes que t'es excité. Ah! Mais dégage, tentacool de merde! To be the best, you have to beat the best. Ouais, il dit tout le temps ça, là, Abra. Comme le champion. Warning! Tu n'es pas autorisé à retourner à Kanto tant que tu n'as pas gagné le badge, le dernier badge. Enfin, je sais pas si c'est le dernier, mais Rising Badge. Do you still... Oui, je veux y aller. Allez. Gloops. Les Pokémon. Non!